Dit la Bible des expériences de mort imminentes. Une expérience de mort imminente, c'est quand une personne vous rapporte eh bien qu'elle a vécu en quelque sorte une sortie du corps et qu'elle aurait soi-disant une vision de l'enfer, du paradis, de Dieu, des anges, etc. Alors il n'y a vraiment pas grand-chose dans la Bible qui appuie sur des expériences de mort imminentes. Il y aurait éventuellement 2 Corinthiens 12 qui pourraient être cité pour cela. L'apôtre Paul nous le dit, et il parle très certainement de lui-même en étant humble, je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même sinon dans mes infirmités. Donc Paul deux fois nous dit qu'il n'est pas sûr si c'est dans le corps ou hors du corps, il fait très attention à cela. Donc c'est important pour nous de faire aussi attention à ce genre d'expérience. Et il faut vraiment, c'est très important, écoutez bien, mettre en parallèle ce que vous avez vu sur Internet quand il y a un témoignage de quelqu'un qui a été soi-disant en enfer ou au paradis, mettre ça en parallèle avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les révélations, les visions ne sont plus un mode de communication aussi important qu'auparavant parce qu'on a la révélation complète des 66 livres et il faut vraiment du coup mettre maintenant tout en parallèle avec la parole de Dieu quand il est question de choses spirituelles. Un exemple, si quelqu'un vous dit j'ai vu Jésus qui m'a parlé, j'étais en enfer et il avait une longue robe et des cheveux longs, ben non, c'est pas Jésus, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Et qui essaie de communiquer avec toi pour te détourner de la vérité. Et ensuite, toi, quand tu vas propager ton témoignage, eh bien, tu vas amener beaucoup de personnes à être égarées. Donc, on ne doit pas se concentrer sur ce genre de choses. Concentrons-nous surtout sur la parole de Dieu. Il y a suffisamment de visions dans la parole de Dieu pour déjà les étudier et apprendre des choses sur la fin des temps, sur la nature de Dieu, etc. Que Dieu vous bénisse.